Parce que si vous avez suivi depuis quelques années la chaîne, vous avez peut-être entendu quelques références, quelques peut-être pics sur l'histoire avec son père qui ont été un peu réglés. Mais ici, je vais essayer de faire court pour pas plomber l'intro. Avec l'équipe, quand on s'est dit on va faire l'épisode des papas, on s'est dit d'office, non, on va pas faire mon papa. Et au bout, j'en ai eu marre de cette réflexion. À chaque fois, en vrai, je l'esquive du sujet, il est même pas un sujet. Je me suis dit, vu que les vidéos, c'est vraiment l'extension de nous-mêmes, c'est vraiment nos vies, les vidéos, c'est vraiment nous, je me suis dit, putain, c'est l'occasion, comme souvent en vidéo, en fait, c'est la vraie vie qui prend dessus, de me rapprocher de lui, de renouer les liens avec lui, chose qu'on n'avait pas déjeuné ensemble, franchement, depuis 10 piges. Ah ouais. Attends, j'ai une question. Oui. Tu me dis quoi? Parce qu'en 10 ans, il se passe des choses. Ouais, il se passe beaucoup. Bah, déjà, au début, oui. C'est quoi la question? Bah, déjà, on arrive et on est là, genre, on fait ça, là. Après, on a fait ça et tout, quoi, avec mon daron. Putain, c'est trop bien. Non, écoute, c'est une bonne question. C'était un peu stressant, ça faisait quelque chose. On s'est quand même envoyé des messages ces dernières années, tu vois. Comme je voulais faire cette vidéo et je me suis dit, putain, c'est l'occasion. Je suis allé lui parler, je lui ai tout dit ce que je ressentais au millimètre, ce que je vous invite à faire. C'est énorme, les gars, vous rendez pas compte. C'est énorme.